Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso d'Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle présentation de Fusion 360. On se retrouve après quelques semaines de pause, mais depuis aujourd'hui, on va reprendre notre rendez-vous hebdomadaire. Euh, tous les jeudis matin à 10h pour parler de, euh, voilà, pour aborder des, euh, voilà, des arguments euh, de Fusion 360. Euh, si vous n'arrivez pas à suivre euh, la présentation en direct, euh, toutes les présentations sont enregistrées et euh, disponibles euh, sur la chaîne YouTube de Fusion 360. Euh, voilà, le but de, de, de cette série de présentations, c'est de vous présenter les fonctionnalités de base de euh, Fusion 360. Comme ça, vous pouvez commencer à utiliser euh, le logiciel, euh, voilà, d'une manière euh, efficace, le plus rapidement possible. J'espère. Euh, vous pouvez utiliser euh, la chat à côté si vous avez euh, des questions par rapport à, à, à la présentation. Je vais essayer de répondre peut-être à la fin euh, s'il si, y a des questions. Par contre, si vous regardez l'enregistrement euh, et vous avez des questions par rapport à, à la présentation, vous pouvez les ajouter euh, dans les commentaires et je vais essayer de répondre à toutes les questions voilà alors aujourd'hui euh, on va euh, aborder le sujet euh, de la modélisation avec les, les surfaces mais euh, avant euh, de commencer je veux juste voilà, euh, clarifier euh, le but de euh, cette présentation de la présentation d'aujourd'hui alors en fait, si vous voulez, euh, par rapport à, à la modélisation avec les surfaces, on a deux types d'utilisateurs. On a des utilisateurs très très experts qui font pratiquement que ça parce que par exemple ils modélisent les classes A, euh, les surfaces classe A des, des automobiles par exemple. Et euh, peut-être ils utilisent euh, Fusion, mais à côté ils utilisent aussi des logiciels qui sont spécifiques pour, pour uh, la, voilà, la, modélis la modélisation avec les surfaces. De l'autre côté, on a des utilisateurs euh, qui euh, regardent, euh, ils utilisent la modélisation avec, solide. Et ils regardent avec, euh, si vous voulez, méfiance euh, la, la modélisation avec euh, les surfaces. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, euh, la présentation, c'est plutôt pour ce type euh, d'utilisateurs. Alors, euh, après cette présentation, euh, ça ne veut pas dire que vous serez des experts avec euh, la modélisation en surface. Peut-être vous allez continuer à modéliser euh, avec les solides, mais j'espère de, de réussir à vous montrer trois, quatre situations où euh, même sans être des experts, la modélisation avec les surfaces euh, peut vraiment euh, être utile, même en combinaison avec euh, la modélisation des euh, solides. Voilà. Alors. Euh, J'espère d'avoir clarifié le but de la présentation d'aujourd'hui. Et alors, on commence avec... Euh... Alors, avant de, de commencer, alors, comme je disais euh, avant, euh, si vous n'arrivez pas à suivre... Euh, les euh, présentations en direct, euh, toutes euh, les présentations sont enregistrées et euh, disponibles euh, sur la chaîne YouTube de Fusion 360. Ici, vous avez euh, la page, euh, de, voilà la page principale. Mais si, si vous allez ici à côté, vous avez la playlist Contenu Fusion 360 en français. Où, euh, vous euh, trouvez euh, voilà tous les enregistrements des de, 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 de présentations que j'essaie de faire tous les semaines. Voilà. Maintenant on passe alors à, à regarder un peu euh, la euh, modélisation euh, avec les euh, surfaces. Alors là on a trois euh, solides comme on peut aussi voir. Si on fait un, un analyse comme ça là j'ai trois solides en fait mais ces trois solides euh, en fait je les crée euh, avec euh, trois euh, techniques euh, différents que on va justement euh, regarder en détail comme ça euh, j'aurai la possibilité de, de, de vous montrer un peu les fonctionnalités de la modélisation euh, les, les fonctionnalités de base de la modélisation avec les surfaces on va étendre ça euh, pour euh, la on va revenir en arrière dans notre histoire de modélisation je vais vraiment alors le premier solide le premier cube je l'ai créé avec, directement avec euh, l'extrusion euh, d'un contour euh, avec euh, les outils de, de la modélisation euh, solide. Alors là, euh, je profite aussi pour vous montrer une nouveauté euh, qu'on a depuis la dernière mise à jour. Alors là, quand je, euh, je dois définir une côte, une dimension, si je veux, je peux créer aussi un paramètre pendant que, que je, je vais définir voilà la, la côte. Et dans ce cas, par exemple, hauteur, je vais définir un paramètre euh, h égale, par exemple, 50 mm. Et depuis euh, ce moment, je peux utiliser euh, le paramètre h que je viens de créer. Ça, c'était juste en parenthèse pour vous montrer une nouveauté, nouveauté qu'on vient d'avoir avec la dernière mise à jour. Alors là, voilà, là c'est un solide que j'ai créé avec une extrusion, euh, avec euh, l'extrusion euh, de l'environnement solide. Maintenant, pour, euh, euh, on regarde comment on peut créer euh, le même cube, mais avec euh, les surfaces. Alors là... On va dans l'environnement surface. Là, on a euh, pas mal de, de fonctionnalités qui sont pratiquement euh, les mêmes qu'on on a avec euh, dans l'environnement euh, solide, mais on va aussi un peu euh, souligner les différences. Et après, on a euh, aussi des fonctionnalités qui sont euh, spécifiques à l'environnement euh, surface. Et là, on va aussi les regarder euh, beaucoup plus en détail chose pour modifier la surface on va on va regarder euh, ça aussi alors on regarde là je veux créer le même cube mais avec les surfaces alors je fais en extrusion mais, mais dans ce cas en extrusion surface je sélectionne euh, tous les arrêts parce que j'ai cette euh, option active et là je vais utiliser le paramètre que je viens de créer h voilà. alors là, j'ai créé une extrusion, mais c'est. j'ai créé en fait une surface. et vous regardez aussi la différence ici. ça, c'est euh, le symbole pour euh, le solide et ça, c'est le symbole pour la surface. en fait, si vous regardez là, je n'ai pas d'épaisseur. alors, j'ai créé cette surface avec. Euh, l'extrusion surface j'ai aucune épaisseur par exemple si je regarde l'analyse j'ai pas d'épaisseur et je continue euh, ça c'est c'est inutile très intéressant dans l'environnement surface parce que je peux fermer je peux fermer cette euh, contour je fais la même chose euh, de l'autre côté Voilà, et j'ai créé encore deux surfaces que vous regardez ici. Alors, pour euh, créer le solide à partir de ces trois surfaces, je dois les coudre ensemble parce qu'ils sont à côté, mais ils sont séparés. Alors, avec cet outil, le coudre, je sélectionne les trois surfaces que je viens de créer. Et voilà. Vous regardez, j'ai créé maintenant j'ai un solide. On regarde si l'analyse, j'ai un solide. Mais en fait si on regarde ici dans l'histoire euh, de la modélisation pour créer le premier cube, j'ai euh, fait une opération. Mais pour créer le deuxième que c'est exactement euh, le même, j'ai j'ai dû utiliser eh, quatre eh, opérations. Alors, justement, la question c'est pourquoi dans la vie je dois utiliser euh, les surfaces Alors, dans ce cas, pour créer ces deux cubes, il eh, n'y a aucune sens. C'était juste pour vous montrer un peu, pour commencer à vous montrer des fonctionnalités des surfaces, mais. Même dans euh, cet euh, exemple tout bête, par exemple, si je dois pas créer un cube comme ça, mais je veux, par exemple, quelque chose un peu plus de euh, stylé, euh, un peu plus, euh, par exemple, euh, bombé, alors dans ce cas, par exemple, avec les surfaces, j'ai un peu plus euh, de espace de, de manœuvre si vous voulez par exemple je peux euh, modifier cette opération et là par exemple au lieu de, de, de juste connecter les deux surfaces je peux euh, je peux dire que je veux une connexion euh, tangente par exemple Et là, je peux aussi euh, changer euh, la valeur euh, du, du poids de cette tangence. Je peux aussi essayer euh, d'avoir un courbure G2. C'est vraiment la, la classe, là. Voilà. Et ça, ça reste un solide. Vous voyez. Mais, euh, vous comprenez que pour faire la même chose qu'avec... Euh, la modélisation solide, euh, c'est pas euh, facile. Mais quand même, ça, ça reste vraiment un, un exemple euh, tout bête, juste pour euh, commencer à vous montrer des fonctionnalités euh, des surfaces. Maintenant, euh, comme je disais au début, euh, on va euh, regarder quatre exemples euh, où euh, même si on reste des euh, modelleur euh, un solide, euh, euh, les fonctionnalités euh, de l'environnement surface euh, peuvent vraiment euh, nous aider euh, beaucoup. Alors euh, le premier exemple, alors là on a cette euh, jolie euh, moto <coughs> euh, que euh, on a créé avec euh, Fusion, euh, mais une partie des composants de cette moto sont des composants qui ont été importés, créés dans des autres logiciels et importés euh, dans Fusion. Alors, par exemple, euh, comp euh, quel composant du, du moteur là, comme cette cette pièce oui, cette pièce là par exemple c'est une pièce emportée alors on a déjà abordé euh, ce sujet dans une des présentations précédentes comme travailler avec des, des modèles emportés euh, si vous n'avez pas assisté à ça c'est enregistré dans la et, vous le trouvez dans la chaîne YouTube. Alors, par exemple, euh, on a importé cette euh, modèle. Mais en fait, le, alors vous voyez, j'ai pas d'histoire là, parce que comme euh, avec tous les, les, les modèles importés, je, je commence voilà, à enregistrer un peu l'histoire. Mais le résultat, c'était une, une série de, de surfaces. Alors, comme on a vu avant, on essaye de coudre toutes ces surfaces pour essayer de avoir, de créer un, un solide comme on a fait avec euh, l'exemple du, du cube. Alors là, je dis euh, j'essaie de coudre. Je sélectionne tout, mais là, alors cet outil très utile voilà de, de l'environnement euh, surface il euh, me dit que là j'ai un problème en fait j'ai euh, en fait euh, ça c'est pas une surface fermée c'est ouvert alors par exemple si je, je dis ok il va me coudre tous les autres surfaces et en fait euh, mais il n'arrive pas à tout fermer. Alors il n'arrive pas à me créer un solide. Parce que j'ai ça, j'ai une ouverture, si vous voulez. Alors, oui, maintenant j'ai plus euh, 266 surfaces. J'ai une surface, mais c'est quand même une surface. Alors là, qu'est-ce que je peux faire Comment on a on, on va fermer cette ouverture avec euh, la fonction qu'on a aussi utilisée avant. Là, si on veut, on peut aussi donner vraiment une... On essaie de, de donner aussi une courbure très... Voilà. Et là, après que okay, je fais ça, alors je vais coudre euh, la surface que je viens de créer avec la surface, l'autre surface. Et là, j'ai... Je... Mon, euh, solide voilà alors ça c'est déjà une, euh, une situation où les fonctionnalités euh, de l'environnement surface euh, et, et il peut être très très utile par exemple pour régler un modèle importé à partir d'un autre euh, logiciel et comme vous avez vu euh, C'est euh, tout, tout simple. Il ne faut pas être des experts des surfaces pour faire ce que je viens de, de faire. Alors maintenant on va regarder encore une autre exemple où les, euh, voilà, les, euh, les fonctionnalités euh, de l'environnement euh, surface ils, ils peuvent être euh, utiles. Alors, ça c'est une euh, pièce, euh, ça c'est en fait une bac euh, à glaçons, et euh, c'est une pièce où euh, j'ai besoin d'avoir une épaisseur euh, uniforme, une épaisseur constante euh, pour euh, toute la pièce. Ça c'est un solide, hein? ça c'est un solide. Euh, mais avec euh, une épaisseur euh, voilà, uniforme pendant, euh, pour euh, tout, tout le solide. Alors, normalement, quand on parle d'une solide avec une épaisseur uniforme, on, 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 on pense à la, à la tollerie, parce que la tollerie, euh, par défaut, euh, on crée des, des pièces euh, comme ça, parce que c'est en fait l'épaisseur euh, du style euh, de la tollerie. Mais, euh, vous comprenez, si, euh, quand je, je, je modélise une, une pièce de tollerie, normalement, les, les angles de pliage, ils doivent être des angles assez, si vous voulez, précis, des angles qui, en fait, après, ils doivent me permettre de, de plier et déplier euh, la pièce. Mais, dans... Euh, un cas comme celui-là, c'est pas forcément le cas. alors, voilà, euh, bien sûr, peut-être je peux créer euh, cette pièce aussi euh, directement euh, avec de la, de la, mo de la modélisation euh, solide, mais on va regarder comme avec euh, la modélisation euh, en surface. Euh, C'est vraiment euh, très simple de créer une pièce comme ça avec une épaisseur euh, constante. Alors, on commence euh, du début. Bon, L'esquisse, je ne vais pas le, le, le recréer. Alors là, on commence avec euh, une extrusion de ce contour. Par exemple, vers le bas. On fait moins 50, quelque chose comme ça. Et on donne aussi un angle de conicité pour euh, laisser sortir euh, le glaçon. Par exemple, moins 3. <coughs> voilà. Maintenant, on va fermer euh, le contour en bas. Voilà. Et maintenant, j'aimerais, par exemple, créer un, un congé. Euh, avec ce, cet arrêt. Mais avant de faire, je peux pas faire ça parce que en fait, j'ai pas un vrai arrêt. J'ai juste deux euh, surfaces à côté. Avant de, de appliquer le congé, je dois les coudre ensemble, comme on a vu avant aussi. Alors, je sélectionne ça et ça. Voilà. Maintenant, j'ai qu'une surface. Et là, je peux appliquer le congé. Comme on a vu aussi dans les présentations précédentes, je peux aussi juste sélectionner l'arrêt, bouton droit, congé ou même appuyer, tirer et il me propose euh, le congé. Et là, par exemple, je fais un valeur 2. Voilà. Après, on fait une... Réseau rectangulaire de ce corps, cette surface. Voilà. Alors euh, euh, l'option corps, les directions, deux directions. Ça c'est la première et ça c'est la euh, deuxième. Alors. Attendez, on va faire. Alors, je dois sélectionner d'abord ça, après. Ça, c'est la première direction. Ça, c'est la deuxième direction. Et là, <coughs> par exemple, là, une valeur 200 et pour 4. Et dans l'autre direction, on fait, par exemple, 72. Voilà. Maintenant, j'ai une série de surfaces. On, on revient à l'esquisse et là, on va fermer cette contour. Et je crée encore une autre surface. Alors maintenant, alors là, par exemple, je peux créer à partir de ce contour, une surface réglée, comme ça, si je veux quelque chose d'un peu plus stylé, ou même juste une, une autre extrusion de ce contour, par exemple de je sais pas, 3 mm, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, je vais aussi appliquer des, des congés ici. Mais encore une fois, ça ce sont encore que des surfaces euh, tout près. Je dois d'abord les coudre ensemble. Alors, avec la fenêtre, je vais tout sélectionner. Voilà. Maintenant, je, je reviens à une surface. Et là, je sélectionne cet arrêt, bouton droit, pour y étirer. Il me propose appliquer le congé je vais sélectionner aussi les autres et je vais appliquer encore une valeur de 2 voilà et j'ai encore que en surface pas d'épaisseur maintenant en fait le but c'était d'avoir un solide avec un épaisseur constante alors là je vais ici, et je vais donner un épaisseur. Je sélectionne ma surface. Alors là, je peux aller dans cette direction, ou si je donne une valeur négative dans l'autre direction, ou je peux aussi dire, ouais, je vais, par exemple, quelque chose de symétrique. Bon. Là, on va euh, dans une épaisseur de 2, par exemple. Et voilà. Je vais avoir mon solide. Alors là, le navigateur il a disparu. Mais maintenant j'ai mon solide avec euh, un épaisseur constante. Ça c'était euh, le but. Encore une fois, peut-être je peux aussi euh, créer euh, la même pièce que avec la modélisation solide, mais vous regardez que pour le faire avec les surfaces, c'était vraiment euh, très, très simple. pas besoin d'être un expert de, des surfaces pour faire une pièce euh, comme ça. voilà. alors on a regardé déjà deux situations où euh, l'environnement surface peut nous être utile. Voilà, pour régler par exemple une, une modèle importé en fait, euh, où on a créé euh, des surfaces pour créer euh, une pièce avec une épaisseur une solide avec une épaisseur euh, constante où j'ai pas la possibilité vraiment euh, de utiliser la, la tolérie. Maintenant, on va euh, revenir sur euh, le premier euh, exemple. Et euh, au début, euh, je, vous, je vous avais montré euh, aussi un troisième solide. Alors là, pour créer, par exemple, un solide avec euh, cette forme, là, sans euh, avoir la possibilité d'utiliser... Euh, les fonctionnalités euh, des, euh, des surfaces ça ça va être vraiment compliqué alors je vais vous montrer comment euh, on peut créer ça euh, avec euh, alors en fait je vais vous montrer <coughs> ça euh, alors la première fois je vais utiliser que des fonctionnalités euh, des surfaces et ça ça va être un petit peu loin, mais c'est juste pour vous montrer aussi des, des fonctionnalités. Après, je vais créer la même chose, mais euh, je vais combiner la modélisation solide avec euh, des fonctionnalités euh, des surfaces, parce que euh, dans la plupart des cas, et vous, vous verrez ça, c est, c est, je vais arriver au même résultat, mais euh, d'une façon beaucoup plus... Euh, rapide et dans la plupart des cas la combinaison euh, des, des modélisations solides et en surface c'est vraiment quel quelque chose qui peut euh, nous aider voilà alors là on revient euh, en arrière on cache c'est du solide <coughs> on reprend l'esquisse alors comme j'ai dit je commence à créer le, le troisième solide que avec les surfaces encore une fois c'est un peu loin mais après je vous montre que si on combine le, la modélisation solide et surface on obtient la même chose mais d'une façon plus rapide alors encore une fois on va eh, faire des extrusions cette fois je peux pas utiliser cette option parce que je dois créer Quatre surfaces séparées parce que je dois les euh, modifier séparément. Voilà. Je sélectionne cet arrêt et j'utilise le paramètre que j'avais écrit avant. Voilà. Je répète. J'enlève ça. Je sélectionne ça. Voilà. Et une dernière fois. ça et voilà alors maintenant je vais créer des esquisses alors je, je vais créer un esquisse sur cette face ça sont maintenant j'ai quatre surfaces alors, je vais créer un esquisse sur cette face en fait je vais créer euh, un esquisse, un, un spline, si vous voulez. Voilà. Je vais répéter ça sur euh, cette face. Mais je veux partir du, du dernier point. Alors, d'abord, je vais proster ce point. Et après... Okay. créer notre spline juste pour faire quelque chose un peu de stylé voilà encore une fois la même chose j'ai d'abord prosté le point de, de départ et après créer une autre spline alors maintenant je ne vais pas mais vous savez la spline je peux la contrôler, je peux donner aussi des des codes et tout ça 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 reste quand même une modélisation paramétrique alors une dernière fois je crée l'esquisse dans ce cas je vais poster soit le point de départ le point euh, d'arrivée et je vais créer la spline entre les deux points. Voilà. Maintenant, je vais utiliser une autre euh, fonctionnalité des surfaces très très intéressante. C'est euh, en fait qui euh, me permet par exemple de couper cette surface avec cet outil. Alors je sélectionne l'outil et je, après je sélectionne la partie de, de la surface que je veux enlever. Je fais la même chose ici. Ça c'est l'outil, ça c'est la partie que je veux enlever. Encore une fois. même chose et une dernière fois voilà Là, on va. et maintenant j'ai encore quatre sur surfaces alors maintenant je, je, je veux fermer les deux à haut et en bas mais encore une fois comme on a vu avant pour faire ça je dois coudre les quatre surfaces ensemble d'abord après je ferme en bas et je vais fermer aussi à haut et voilà mais j'ai encore que des surfaces je dois encore les coudre ensemble pour avoir mon solide mais euh, vous comprenez par exemple si je fais la même euh, chose ici j'ai pas la possibilité euh, de avec un solide euh, voilà je peux pas avoir uh, ce type euh, de, de surface que vous euh, que vous voyez ici mais comme j'avais dit euh, je peux j'ai pas besoin de faire ça que avec les surfaces alors je peux pas faire ça avec que, que avec les fonctionnalités du solide je peux je peux faire ça avec euh, des surfaces mais comme vous avez vu ça, ça ça prend un peu de temps mais je peux faire euh, ça très rapidement avec euh, d'abord je commence à créer mon cube euh, solide après, à l'aide de l'esquisse que j'ai créé, je n'ai pas besoin de, de le recréer. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait D'abord, on va couper euh, les faces du solide avec euh, en utilisant les esquisses avec. Euh, comme les utiles. Voilà. Encore une fois, je vais couper encore cette face. Et ça c'est un solide. Hein? Maintenant on a commencé avec un solide et une dernière fois. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très très intéressant, j'espère. Alors, si vous avez assisté à la présentation euh, des euh, une des présentations précédentes où on a parlé de la modélisation directe, je pense vous vous rappelez que euh, Fusion il me donne la possibilité de supprimer, euh, par exemple, maintenant. J'utilise supprimer, mais je suis dans l'environnement solide. Alors, je peux sélectionner les, les faces là. Alors, si je fais ça dans la modélisation solide, quand je dis OK, alors Fusion, il essaie de recréer un solide qui soit correct d'un point de vue mathématique. Et dans ce cas, il n'arrive pas à le faire. Et il me donne un erreur. Mais regardez, ça c'est vraiment intéressant. Si je vais dans l'environnement surface et j'utilise euh, la, euh, la même fonction, mais maintenant je suis dans la, dans la surface. Avec la même fonction, je sélectionne les mêmes faces. Alors maintenant, si je fais OK, comme je suis dans l'environnement surface, alors dans ce cas, fusion ne pas de créer un solide que soit euh, correct d'un point de vue mathématique, mais il ouvre, en fait, il m'ouvre euh, le solide et en fait, le solide il devient en surface. Mais à, à ce point, je, je peux fermer là avec une surface et je peux coudre cette surface avec les autres et je reviens au solide et dans ce cas vous avez vu comme euh, la combinaison du euh, modélisation en solide et en surface ils me permettent d'une manière très rapide de créer cette type de euh, solide alors on regarde encore un autre exemple euh, où je peux avec la combinaison de la modélisation solide et euh, surface euh, je peux euh, rapidement euh, obtenir le, le résultat alors ça c'est un, un brique en fait et cette brique a cette particularité que ce point il va vers euh, le bas alors là j'ai commencé avec par exemple, une hexagone, une extrusion solide de l'hexagone. Alors maintenant, pour créer le point qui va vers le bas, par exemple, je peux faire quelque chose comme ça. Je sélectionne cette face, je fais extrusion, je vais vers le bas, je commence à couper. Je peux aussi donner un angle. Et là, je vais obtenir plus ou moins le résultat. Alors, ça, je peux dire, bon, c'est bon. Mais, si j'ai besoin que ce point soit à une distance précise, soit du, euh, du bas ou du haut, alors là, je dois commencer à faire un peu de maths pour euh, euh, donner la valeur précise à la distance et à l'angle. Ou sinon, je peux, bien sûr, je peux faire ça aussi. Euh, toujours dans la modélisation solide, mais euh, avec euh, une autre méthode. Mais on peut euh, faire ça aussi, même si on est parti avec la modélisation solide, on regarde comme la modélisation euh, en surface peut nous aider aussi dans ce cas. Alors par exemple, là, je vais créer un esquisse sur cette sur ce plan. Après, je vais créer une intercession entre ce corps et le plan euh, de l'esquisse. Je vais cacher euh, le corps. Et là, je vais définir ça comme une entité de construction. Après, je, je crée une ligne, okay. ça aussi je vais la définir comme une ligne de construction. Et là, je peux, voilà, pas besoin de, de la mat, je peux par exemple donner une, une, une ajouter une cote précise du bas, je peux faire la même chose du haut, c'est la même chose, voilà. Je vais inclure de la géométrie 3D, par exemple ce point-là, ce point-là. Je vais cacher encore une fois le corps. Et maintenant, j'active l'esquisse euh, 3D pour euh, créer des lignes entre ces trois points. Voilà. Maintenant, je vais dans l'environnement surface. Je vais créer une surface avec ce contour. Voilà. Je reviens. Je prends mon corps. Et comme on a vu avant, avec le supprimer des surfaces, j'ouvre le solide qui euh, devient une, une autre surface. Après, je peux juste faire une, créer une réseau circulaire de ce corps. Ça, c'est euh, l'axe. Comme ça, c'est un hexagon régulier. Ici. Voilà. Et maintenant, je vais coudre ensemble toutes euh, les surfaces. Et voilà. Et j'ai obtenu euh, euh, mon solide avec ce point qu'il est à une distance précise. En fait, ça, cette distance, je peux la retrouver aussi dans, dans les paramètres. On a vu ça dans une autre, par exemple, je peux quelque chose comme ça. Et vous voyez comment ça change. Alors voilà. Jusqu'à présent, on a regardé euh, trois situations où, vraiment, même si on est, euh, on fait que de la modélisation euh, avec des solides en général, mais on a vu trois situations où la modélisation, les fonctionnalités de l'environnement surface peuvent nous aider. On a vu comment on peut régler un modèle importé comme surface, comme on peut euh, créer euh, une, euh, une solide avec une épaisseur euh, constante, où on ne peut pas euh, utiliser euh, la, de la tolérie, et comme la combinaison de modélisation solide et modélisation en surface peut nous aider à créer des, euh, des modèles, des solides, euh, assez compliqué. Bon, le, ce deuxième-là, ce n'était pas euh, très compliqué, mais quand même, on a vu comme on peut euh, utiliser les deux types de euh, modélisation ensemble pour euh, nous rendre la vie un peu plus euh, facile. Un dernier exemple, on revient à, à la moto. alors Là, on a une autre pièce, cette euh, garde-boue là derrière. Alors là, par exemple, on va regarder euh, comme la euh, modélisation euh, avec les surfaces, il peut nous aider aussi si on veut faire euh, de la euh, production par exemple je veux créer euh, le moule pour produire cette euh, cette pièce alors en fait pour euh, euh, créer le moule j'ai besoin de euh, euh, si vous voulez de prolonger un peu euh, cette euh, euh, voilà euh, cette modèle, même d'une manière un peu exagérée, parce qu'après, euh, je peux toujours le couper. Alors pour faire ça en euh, solide, par exemple dans ce cas, si j'essaye, par exemple, de sélectionner euh, des faces et de, de le tirer, je ne vais pas le faire, parce que ça, ça va presque planter <laughs> fusion. Euh, alors, on regarde comment on peut le faire avec les euh, surfaces. Alors là, on va utiliser une autre euh, fonctionnalité de surface euh, très, très utile, euh, décalage. Alors là, je ne vais pas euh, décaler euh, toutes les surfaces. Alors, je, je enlève cette option et je sélectionne ça. Alors, je vais sélectionner aussi le congé, même si le congé, il va me donner des problèmes, mais je le fais exprès pour vous montrer une autre chose. Ça et ça. Voilà. On va cacher le solide. Et là, j'ai la surface. Alors là, j'essaie de prolonger cette euh, surface justement avec cette... Autre fonctionnalité très très utile des surfaces. J'essaie de sélectionner un peu tout. Alors, pour prolonger, c'est pas toujours facile. C'est beaucoup plus facile à couper, mais on va essayer de toute façon. Alors là, on va essayer de donner une valeur pour prolonger, mais ça va pas marcher parce qu'en fait, comme euh, j'avais dit, euh, dans ces cas, c'est euh, c'est bien de pas euh, inclure euh, le congé parce que le congé on peut le euh, créer après tout simplement. Mais maintenant j'ai une surface. Alors en fait on va faire on va faire quoi? On va euh, alors là jusqu'à présent on a utilisé euh, plutôt la fonctionnalité coudre. Dans ce cas on va utiliser la fonctionnalité découdre On sélectionne cette surface et là on va avoir les trois surfaces séparées. Alors je vais en fait supprimer celle-là. Et maintenant, j'ai que deux surfaces. Alors, on commence. Alors, on essaie encore une fois de prolonger euh, cette surface-là. Et là on va voir j'espère d'avoir tout sélectionné voilà on va voir cette chose que c'est horrible mais ce n'est pas un problème on va tout couper ce qu'on n'a pas besoin après on va faire la même chose pour cette surface. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. On va donner aussi euh, des apparences pour, euh, pour faire la chose un peu moins compliquée à voir. Voilà. Et maintenant on commence à couper. Les surfaces à l'aide de cette esquisse qu'on va utiliser comme outil que j'avais créé à l'avance. Alors là, on va sélectionner toutes sortes de, de l'outil et après on va juste enlever ces deux petites surfaces qui sont. Qui sont restés. Voilà. On fait la même chose aussi pour l'autre surface. On enlève tout que c'est dehors. Voilà. Maintenant, on, on continue à couper. On continue à couper. Euh, ça, c'est l'outil. On coupe ça et on répète ça c'est l'outil on coupe ça voilà maintenant comme j'avais dit euh, le congé je peux le recréer facilement mais comme on a vu euh, au début on doit coudre d'abord les deux surfaces ensemble et après on peut appliquer le congé que c'est je pense c'était 2 mm. Oui, 2 mm ça devrait jouer, voilà. Et maintenant on va créer un extrusion pour ce corps. Voilà. Et on va le couper avec la surface. Voilà. Et on se débarrasse de ça. Et voilà. On a obtenu le mule pour créer la pièce d'avant. Alors. Voilà. Alors, on a regardé quatre exemples. Euh, on peut avoir, bien sûr, on peut avoir beaucoup de situations où euh, cette, euh, les fonctionnalités euh, de la sur, des, des surfaces, il peut nous euh, être très très utile. Euh, on a regardé voilà ces dernières pour euh, nous aider à à créer facilement un, un élément pour, pour la production. Sinon, on a vu les cas où euh, la combinaison de euh, modélisation solide et modélisation euh, en surface euh, peut vraiment nous aider à créer des, des modèles un peu euh, plus stylés, un peu plus compliqués, euh, des modèles avec une épaisseur constante et comme régler des modèles importés à partir d'une autre logiciel. Alors, on a vu un peu les fonctionnalités. Beaucoup de fonctionnalités sont les mêmes que euh, dans l'environnement solide, même si euh, là, on va créer des, des éléments, des surfaces euh, qui n'ont pas d'épaisseur. Par contre, on a vu des fonctionnalités qui sont spécifiques euh, à... La surface, comme euh, voilà la, la face fermeture, le décalage, même surtout dans la euh, prolongée, coude, découdre. Euh. Et euh, on a vu le comportement de cette euh, fonctionnalité supprimée. C'est différent si on est dans l'environnement surface ou si on est dans l'environnement euh, solide. Voilà alors, avec ça, euh, on, on termine la présentation euh, d'aujourd'hui. j'espère que euh, si euh, vous êtes euh, des, voilà, des utilisateurs qui utilisent euh, surtout euh, la modélisation en solide, pas besoin de, de changer, mais j'espère que aujourd'hui, euh, j'ai pu vous montrer euh, voilà des autres possibilités que euh, peut-être euh, ils peuvent euh, se euh, voilà, tourner utile dans des situations où euh, créer euh, le modèle que avec le solide euh, peut être un peu euh, compliqué si vous le souhaitez euh, je vous donne euh, un rendez-vous pour euh, euh, Jeudi prochain à la même heure où on, on va créer un, une, une, on va modeler une pièce, et on va essayer voilà, d'appliquer ce qu'on a appris dans les présentations précédentes. Merci beaucoup pour votre attention et une très belle journée.